Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine dans l'émission, on vous présente un casque idéal pour les hipsters, le RP60 de AGV. On va aussi vous présenter un scooter idéal pour les urbains qui veulent faire un peu de touring, le BMW C600 Sport. Et voici le résumé de nos rencontres au Salon de la moto de Québec. On est au Salon de la moto de Québec. On rencontre Marc Fontaine. Salut Marc, ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour. Occupé dans les salons? Beaucoup, beaucoup. Marc, le 1290 est arrivé. Il y a des gens qui l'attendaient. On a vu l'évolution chez KTM, 990 Adventure, le Baja, le 1190 l'année dernière. Maintenant, le 1290 qui est supposé se rapprocher peut-être un petit peu plus des gens qui préfèrent le touring plutôt que vraiment la randonnée sur route de terre. Oui, on a une nouvelle moto cette année, la 1290 Super Aventure, qui est une moto avec 160 HP, si on compare avec la 1190 de l'an dernier, qui avait 150 HP. Avec un réservoir, une capacité de 30 litres, elle vient avec les valises qui sont incluses, les sièges chauffants, passagers, conducteurs, poignées chauffantes, le cruise control. Donc, on a compris chez KTM que là, il y a des gens qui veulent des poignées chauffantes pour une moto de touring. C'est ce qui manquait, à mon avis, mais là, on les a, même le siège, wow! Oui, on les a avec le siège aussi. On a aussi une nouvelle suspension. C'est la même suspension électronique qu'on peut retrouver sur la 1190. En plus, on a la suspension semi-active. Avec un pare-brise aussi plus grand. Il y a quelque chose de spécial sur les lumières sur cette moto-là. C'est des lumières de côté. Et plus on penche la moto, plus il y a des lumières qui allument, si j'ai bien compris. Effectivement, on a trois stages d'éclairage. Donc, à 10 degrés, on va avoir une lumière qui va allumer, une LED. À 20 degrés, une deuxième. Et à 30 degrés, une troisième. Donc, plus la moto est inclinée, plus on tourne, plus on va éclairer la direction où on veut aller. Mais est-ce que c'est une moto qu'on peut quand même amener en sentier? C'est une moto de 500 quelques livres, 500 livres. Donc, c'est une moto qu'on va pouvoir amener aussi en sentier, qui va être maniable. On n'a pas l'impression d'avoir quand même une moto qui est de cette ampleur-là. C'est sûr qu'elle est plus large. On a un grand réservoir de 30 litres. Ce que je suggère, c'est si on va faire une randonnée en route, on n'est pas obligé de remplir le réservoir, bien sûr. Mais c'est une moto qui va être aussi capable que la 1190 de faire du sentier, de faire des belles routes de gravel. On voit chez KTM que la gamme, à chaque année, ça s'étend. Avant, vous étiez vraiment moto enduro, motocross. Et là, de plus en plus, on voit que le créneau route chez KTM, ça grandit. Là. On a ça, on a la RC390 aussi qui est nouvelle. Est-ce que c'est vraiment une direction que KTM veut prendre? La tendance beaucoup est au double usage et à la moto d'aventure. Donc, on est allé un peu répondre à la demande avec une moto comme ça. C'est une moto qui va rejoindre l'aventurier, qui va rejoindre la personne qui veut faire du chemin de gravel, qui va faire juste de l'asphalte pour faire des grands voyages. Donc, on rejoint tout le monde avec ça. La RC390 est finalement arrivée. On en entendait parler depuis longtemps. C'est vraiment une belle petite moto. Est-ce que c'est pour les gens qui veulent commencer à faire de la moto, ça, ou c'est pour monsieur, madame, tout le monde? J'appellerais un modèle de moto urbaine qui est un peu pour madame et monsieur tout le monde. Aussi le débutant, bien sûr, parce que c'est une moto de petite cylindrée, 400cc. Pas trop intimidant. Oui, pas trop intimidant, mais quand même une belle moto maniable qui n'est pas trop haute, un peu pour tout le monde. Et, bon, 44 HP, ça veut dire que c'est pas une bombe. Mais pour le poids, quand même, on parle de 325 livres. Ça se déplace quand même assez bien. On peut faire de l'autoroute avec ça si on veut. On peut faire des déplacements urbains. C'est une moto, oui, qui va être à un prix très abordable, qui est très abordable. Aussi, c'est pas cher. Puis c'est prêt à mettre sur la piste, comme on dit. Ce qui m'a surpris, c'est ça ici. Ça a pas l'air de ça, mais c'est un banc, ça. C'est un siège, effectivement, pour le passager. On a des pegs
C'est une moto qui est versatile. Et ça rejoint aussi ce qu'on voit chez d'autres manufacturiers, des petites motos moins chères, plus faciles d'approche, autant pour le portefeuille que pour le conducteur. Là. Ça coûte pas très cher. Côté plaque. Au Québec, ça va être moins cher qu'une moto de plus grosse cylindrée. Côté assurance, donc tout ça va aider aussi le consommateur à faire son choix de moto. Et la petite cylindrée, bien, de plus en plus... C'est populaire. Plus en plus populaire pour son prix, justement, comme on disait, pour le coût. Et aussi, comme moto urbaine, on n'a pas besoin d'avoir une grosse cylindrée. C'est vraiment pas nécessaire sur nos routes du Québec. Non, vraiment pas. Merci, Marc. Il y a une nouvelle compagnie de moto dont on entend de plus en plus parler. On a vu ça de plus en plus dans les revues, CCF Moto. Oui. On va parler avec Jean Desroches de CF Moto. Oui. Ça fait combien de temps que vous offrez des modèles moto? On a vu vos side-by-side, mais là, la moto, c'est nouveau. Oui, la moto, en fait, on l'a introduite l'année passée. C'est des modèles 2015. Ce n'est qu'un début. Là, on a deux modèles, le NK... et le TK, donc le NK pour Naked et TK pour Touring. C'est exactement ça, oui. Parle-nous du moteur d'abord. C'est le même moteur? Les deux, c'est le même moteur. C'est un 650cc deux cylindres qui développe 60 chevaux. C'est la même mécanique. Les freins, c'est espagnol. L'ordinateur, c'est Ducati. Le système d'éjection, c'est Delphi, c'est américain. Donc, on a une machine qui est très, très complète. Bon, c'est ça. Les gens cherchent un package. Des fois, on dit « Ah, CF Moto, bon, c'est des produits chinois. » On sait la réputation que ça avait. Mais vous, vous avez une toute nouvelle approche là, avec CF Moto. Oui, en fait, CF Moto, c'est un producteur de moto. C'est un, de moteur, c'est un motoriste. Ils ont une capacité de production de 600 000 moteurs par année. Seulement? Seulement. Ils sont dans 70 pays. C'est assez complet. Et là, vous avez deux modèles. On commence avec deux modèles, mais c'est quoi votre petit projet là, que vous avez derrière votre tête, dans votre jeu? Là? En fait, on peut pas trop dévoiler, mais il y a des nouvelles machines qui s'en viennent au niveau de la moto puis au niveau du VTT aussi, au niveau de la marine aussi. Au niveau de la marine. Donc, vous allez devenir au même titre que Yamaha, Honda. Vous avez la capacité de production de ces géants-là aussi. Effectivement. En fait, quand on parle de manufacturier japonais qui est à Toronto, bien, CF Moto Canada, c'est au Québec. Donc, le siège social est au Québec, c'est exactement, bon. Oui. Donc, le NK, c'est une moto pour s'amuser, peut-être une moto un peu plus urbaine, une moto un peu plus sportive. Effectivement. L'autre moto, c'est plus pour faire du touring, faire une randonnée. Oui, exactement. Et avec 60 chevaux, donc quand même, on peut se déplacer. C'est bien, c'est quand même bien, oui. Bien, merci, puis bienvenue, on n'a jamais assez de motos. Merci. On a mis la main sur Stéphane Nadon de chez Kawasaki parce que je voulais qu'on parle du H2R et du H2 par le fait même. La moto derrière moi, une moto d'exception, on peut dire, une moto quand même dispendieuse, mais vraiment une moto qui n'a pas juste un look spécial, c'est toute une machine là, pour les gens qui aiment les motosports. Mais vous savez, cette moto-là, la H2R, elle n'est pas légale pour la route. Et elle est légale seulement pour les pistes. Elle n'est même pas légale pour des courses non plus. C'est une technologie très avancée. Je pense que ça prendrait des bretelles après pour s'attacher. On peut faire des avions, mais on n'a pas voulu faire un avion avec ça. On voulait que ça aille vite comme un avion, mais les deux roues bien stables. Mais c'est une moto de tous les superlatifs. Moteur suralimenté. D'abord, parlons du moteur. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le moteur, une chose qui est très spéciale, c'est le seul moteur qui a un supercharge. Okay. Nous, on a un supercharge dans notre moto marine, dans notre 310 HP. Si quelqu'un l'a essayé pour savoir c'est quoi... Comment ça fonctionne? Bien, c'est que c'est un supercharge, c'est une injection de... Ça pousse le vent, ça pousse le gaz, ça rend l'injection du moteur plus fort. On a le H2R, puis on a le H2. Le H2, lui, c'est la même moto, détient seulement... Bien, seulement, ça a quand même 205 forces au moteur. Mais seulement 205. Mais celle-là a à peu près 8000 tours, ce qui est incroyable. Ouais. Et puis, celle-là, elle est légale pour la route. On l'a vendue au Québec. Il y en a peut-être... Pas peut-être, il y en a une douzaine de chanceux au Québec qui vont se promener avec ça. La H2R, on l'a vendue à des gens qui sont fanatiques de moto. On en fait en quantité très limitée.
Au Canada, au Québec, on parle de trois qui ont été vendus. Et ces trois-là, il y en a peut-être un qui va rouler avec sur des pistes pour dire les autres, c'est des pièces de collection. Et ce qu'on voit à l'avant, là, les espèces d'ailettes, là, c'est pourquoi ça? Mais ça, c'est les ailerons. Quand tu me parles, les ailerons, c'est pour... Lorsqu'on a fait des tests dans la soufflerie, on s'est aperçu que ça maintient la moto, ça colle la moto au sol. Donc, c'est un peu comme une aile arrière d'une F1. Là. Exactement le même principe. C'est pour garder la soufflerie, pour garder la moto stable. Donc, la prochaine va avoir des ailes? Peut-être. Faudrait quasiment. Peut-être. Là, 400 c'est... HP avec des ailes. Je sais pas comment ça va passer, ça, pour les plaques, par exemple. Ça, on n'en parle pas. Merci beaucoup, Stéphane. Félicitations pour l'H2R. Merci beaucoup. Aujourd'hui, au show de moto pour notre essai de la semaine, on vous présente le scooter C600 Sport de BMW, un scooter polyvalent au design futuriste. Le C600 Sport est le plus petit et le plus léger des deux nouveaux scooters offerts par BMW. Les deux sont équipés du moteur en V parallèle de 647 cc, mais le GT est destiné à de plus longues randonnées avec un peu plus d'espace pour le passager. Les deux scooters ont assez de puissance pour vous propulser à des vitesses surprenantes, bien en haut des limites permises. La première chose qu'on remarque sur le C600 Sport, c'est le design. On dirait presque qu'il sort d'un film de science-fiction. Évidemment, on retrouve toute la technologie et la qualité de finition dont on peut s'attendre du GA de Munich. Sur le C600, on a les poignées chauffantes, le siège chauffant avant et arrière, un écran LCD, un pare-brise ajustable et une diode électroluminescente pour la lumière arrière. La suspension est digne de celle de bien des motos avec un monobras oscillant à l'arrière et une fourche inversée à l'avant. Le frein de stationnement s'active automatiquement quand on descend la béquille. Les pneus de 15 pouces sont plus petits que ceux d'une moto, mais sont tout de même plus larges que ceux de la plupart des scooters sur le marché. Sous le siège, le rangement est vraiment génial pour qui veut utiliser ce véhicule pour de la promenade sérieuse. On peut y mettre deux casques grâce à la bonne idée des ingénieurs qui ont installé un volet rétractable pour mettre un deuxième casque. Personnellement, je préfère encore une moto, mais je ne suis pas le client type pour ce genre de scooter survitaminé. Après quelques jours à son guidon, je cherchais déjà à user les barres de pneus. Par contre, je ne serais pas surpris si BMW arrivait à vendre pas mal de ces petits bijoux pour déplacements urbains. Il offre tous les attributs que recherchent les urbains et encore plus. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. Par les années passées, on faisait la grande aventure Honda. Ça, c'était la grande aventure parce qu'on essayait des motos hors route. Et c'était comme un challenge de partir, comme quand on est allé à Goose Bay, par exemple. C'était des centaines de kilomètres de garnottes. Et là, on a dit l'année passée, avec les gens d'Honda, on voulait parler plus du F6B, qui est vraiment pas une moto hors route. Donc, on s'est dit, on va faire ça peut-être plus comme la majorité des gens font. On se paye un trip. C'est un peu plus dans le luxe, c'est un peu plus de découvrir des attraits qui sont touristiques plutôt que des attraits comme d'aller dans des places qui sont reculées. Donc, il y a une petite différence entre la grande aventure et la grande randonnée. Et je pense que la grande randonnée, ça peut peut-être aller chercher encore plus nos téléspectateurs parce que c'est plus accessible. Au show de moto, on s'organise toujours pour avoir des gens sur les lieux qu'on va visiter et on a Marc Tremblay du Conseil de développement économique de l'Alberta, qui est PDG en fait, et Marc Tremblay,
qui habite à Calgary depuis quoi, 20 ans environ? 29 ans. 29 ans? Ah, non, en Alberta depuis 29 ans, à Calgary depuis 92. Donc, tu connais pas mal la place. Oui. C'est le fun quand tu vas visiter une province ou un autre pays et que tu as quelqu'un de la place qui te dit où passer, surtout quand il est lui-même motocycliste. Tu rides depuis combien de temps, toi? Depuis que j'ai 29 ans, un bon bout de temps. Premier arrêt obligé quand on arrive à Calgary. Il paraît que c'est le Peter's Drive-In. Il n'y a pas de salle à manger, c'est vraiment un drive-in ou, dans notre cas, un walk-in parce qu'on n'a pas encore nos motos. Et les quantités sont assez exceptionnelles, il paraît. On s'en va voir ça. Ça a l'air un petit peu populaire. All right! Ça respire la santé, ça. Et ça, c'est une petite frite. Du Peter's Drive-In. Petite frite, petite rondelle d'oignon et des double cheeseburgers. Ah, puis là, il ça commence bien. C'est un voyage diète. Parle-moi du périple que tu nous as dessiné. Là. Tu voulais qu'on voit les Badlands, qu'on monte un peu au nord, qu'on voit un peu tout ce que l'Alberta a à offrir. Quand les gens pensent de l'Alberta, ils pensent, je pense qu'ils pensent plutôt qu'on a des belles rocheuses. Ils pensent à Banff, à Lac-Louise. Mais l'Alberta, c'est bien plus que ça. Oui, on a des Badlands. Alors ça veut dire désert, ça veut dire dinosaure. Alors on va partir demain matin, puis on s'en va vers Drumheller. Drumheller, c'est là où on trouve le musée Tyrrell, le Royal Tyrrell Museum. Où il y a plein de dinosaures. On va aller visiter le docteur Terrien, qui est un paléontologiste du Québec, au musée Tyrrell. Après ça, on va se diriger vers le nord pour aller à Beaumont. Petite banlieue de Edmonton, francophone, une ville officiellement bilingue. J'espère rencontrer le maire Camille Bérubé, francophone, qui est là depuis longtemps. Après ça, on s'en va vers Saint-Albert, Morinville, Le Gall, et après ça, Barrhead pour le rodéo. On fait un rodéo? En plus. Mais je suis pas obligé de le faire. Là. Non, non, mais on va trouver un chapeau de cowboy, par exemple. Ah oui, ça, j'en veux absolument. Il me semble que tu viens d'Alberta, ça te prend un chapeau de cowboy. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on traverse vers la Colombie-Britannique? Pas tout à fait. Là, on va revenir vers le sud, vers une ville qui s'appelle Rocky Mountain House. Et une fois qu'on a vu ça, on va redescendre vers Lac-Louise un petit peu. Okay. Et quand on va être tanné de ça, on va s'en aller en Colombie-Britannique vers Radium Hot Springs. OK, prendre un petit spa, là. Une petite saucette. Tu as amené ton costume de bain? Mon, c'est pas mon speedo, mais je l'ai. J'espère que t'as pas ton speedo. J'ai hâte de vous le faire découvrir, non seulement les beaux paysages, mais la francophonie de l'Alberta. C'est un beau secret qu'on a des francophones ici en Alberta, et j'espère qu'à la fin de l'émission, les téléspectateurs vont comprendre qu'on peut venir en Alberta et visiter l'Alberta en français. Rouler en groupe, pour moi, c'est quelque chose qui est assez rare. Mes amis ont soit des enfants en bas âge, alors de planifier à l'avance des randonnées, c'est de plus en plus difficile, je dois dire, là. Alors, j'ai l'habitude de rouler seul, j'ai l'habitude de rouler avec ma blonde aussi. Et quand j'ai l'occasion de rouler en groupe, j'adore ça, là. C'est vraiment autre chose. Pour moi, là, la moto, ça a vraiment tout ce qu'il me faut. Passer une semaine en moto avec une gang de boys comme on a cette semaine, c'est parfait. L'univers motocycliste n'échappe pas aux modes. Et vous le savez, la mode des hipsters bat son plein. Les gens s'habillent cool avec un look un peu rétro. Et bien sûr, dans le monde de la moto, on a vu apparaître de plus en plus les café racers. Et tout ça, ça vient avec le look hipster, le look café racer. Et il y a même la compagnie AGV qui a ressorti le modèle RP60 Archivio, qui a exactement le même look que les coureurs qui portaient les produits AGV à l'époque, dans les années 70, portaient. C'est un look néo-rétro avec une facture, par contre, très, très, très moderne. La coque est en fibre composite, ce qui assure une bonne résistance aux impacts et un poids léger. Le casque ne pèse qu'environ 960 grammes. C'est un casque léger, ce qui aide pour réduire la fatigue et la tension sur le cou et les épaules quand on roule à moto. Les composants internes peuvent être retirés et lavés. Ils sont faits d'un tissu Dry Comfort qui a été soumis à une stérilisation pour empêcher la formation de bactéries.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous trouver les bonnes vieilles lunettes d'aviateur ou encore d'acheter une visière en forme de bulle. Et là, vous allez avoir le look réussi à 100%. Amateurs de moto hors route, c'est encore une fois l'heure du conseil du pro. Salut, dynamique. Ah, oh, il faut. On parle de freinage d'urgence. Oui. Donc, quand on s'est peut-être laissé un peu emporter par le démon de la vitesse dans les sentiers, ça arrive. On peut rencontrer toutes sortes de choses. On rencontre toutes sortes de choses. Et contrairement à l'asphalte, quand on roule hors route, tous les types de terrains sont possibles. Donc, l'adhérence, on peut rencontrer n'importe quoi. L'adhérence, ça varie énormément. Juste à se mettre à pleuvoir, l'adhérence n'est plus la même. Ouais. Donc, il faut vraiment s'ajuster et s'adapter à ça. Et des freineurs d'urgence, moi, ma façon de rouler, je suis toujours en freinage d'urgence. OK. Donc, c'est mon attitude, c'est ma philosophie quand je roule. Chaque freinage, je ne le prends pas à la légère, je le prends vraiment de façon très sérieuse et je le maîtrise au maximum. Et ce que je me rends compte souvent dans mes cours, c'est que les gens ne sont pas habitués vraiment de faire un bon freinage d'urgence. Peu importe la vitesse, on parle peut-être d'une vitesse de 50 à 70 km/h. Mais vraiment de savoir comment la moto va réagir. Parfois, c'est la suspension qui nous surprend, qui va s'affaisser un peu trop. Ouais. Parfois, c'est les roues qui vont bloquer parce qu'on n'a pas vraiment testé à l'avance comment ça va répondre. Donc, une chose que je suggère vraiment quand vous roulez hors route, c'est de faire des tests une fois de temps en temps, dépendamment du changement de terrain. Hors route ou sur route, il faut tester le freinage. Il faut tester souvent. Et le meilleur truc que je pourrais vous donner, et c'est un défaut que la plupart des gens ont, de ne pas activer la cloche lorsqu'on freine. Donc, de laisser la force compression du moteur de faire le travail à votre place, d'avoir une bonne prise au sol, surtout pour la roue arrière, d'éviter de la bloquer. Mais surtout, on prend la cloche seulement au dernier moment. Idéalement, on étouffe la moto, on est en freinage d'urgence. Oui, parce que souvent, même quand on commence à faire la moto, le réflexe, on veut tout arrêter, on prend les deux leviers. Exact. On enlève une bonne partie du freinage du frein moteur. Oui. Et surtout sur des motos hors route. Surtout hors route. Des singles, des twins. Voilà. Il y a un bon freinage moteur. Là. C'est ça. Fait que c'est d'en profiter au maximum. Donc, de penser, on ne prend pas la cloche, on l'utilise au dernier moment. Puis au pire, on étouffe la moto. C'est pas dramatique. Mais au moins, on a un bon freinage d'urgence. Mais l'élément clé, c'est de les pratiquer. Donc, de voir sur quel genre de terrain et comment ma moto va répondre. Surtout si c'est une nouvelle moto. Par exemple, je mets des pneus neufs. Ça serait le fun d'aller voir comment ils vont réagir pour un freinage d'urgence. Mm-hmm. Et je le répète, moi, je suis toujours en mode freinage d'urgence, donc il n'y a pas de surprise. C'est pour ça que tu n'avances pas quand on roule dans un sentier. Oui, il y a d'autres raisons. C'est une blague, on n'est pas capable de le suivre. C'est bon. Merci, Eric. C'est ce qui conclut le show de moto cette semaine. Pour revoir des reportages, vous pouvez toujours aller sur rds.ca/show de moto. La semaine prochaine, à l'émission, on vous présente un profil motocycliste. On vous amène à Savannah, en Géorgie, pour un lancement des Honda CBR et on vous présente le BMW F800 GS Aventure. Soyez là! Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.